Allô? Allô, j'ai internet là? What the fuck? Pourquoi ça lag, Rito? Rito? Pourquoi ça lag? Laisse-moi finir, laisse-moi défoncer le Kongmo! Ok, yo, du coup les gens, on est parti sur une petite vidéo qui va vous expliquer un peu le drop pack et le script. On fait les deux d'un coup, on est tombé sur une game où il y avait les deux, donc du coup on va en profiter pour vous expliquer les deux. Même s'il y a plusieurs formes de drop pack et plusieurs formes de script, on va essayer de, je vais essayer en tout cas, de vous montrer un peu tout ça parce que c'est assez relou. Mais avant, on est parti pour un team fight. Et du coup, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on gagnait un teamfight, et ben en face, donc on suspecte un peu la Lulu, en fait, à chaque fois, elle dropackait la game, elle dédossait la game, donc faut savoir qu'une game de League of Legends, c'est sur des serveurs de Rio, qui sont trouvables par IP, ou je sais pas comment ils font, hein, me demandez pas comment ils font, mais en tout cas, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque fois qu'ils perdaient un teamfight, et ben juste, ils dédossaient la game, donc du coup, ça fait que tout le monde est déconnecté. Donc, il y a un système de base de Rio où quand tu es déconnecté, ben, tu retournes à la base. Et là, vous le voyez, hein, tous les joueurs retournent à la base. Du coup, ce qui nous empêchait totalement de push, parce que entre le temps de déco et le temps de vraiment déco, et ben, on perdait à peu près 10 secondes. Et enfin, 10 secondes, allez, 10 secondes deux fois, donc 20 secondes, plus ça nous rentrait à la base. Et du coup, ben, on pouvait pas pusher. Là, dites-vous que ça fait à peu près 6 fois qu'on les ace. Et on n'a toujours pas pris une T3, parce qu'à chaque fois qu'on gagnait en teamfight, comme là encore, eh ben, on se prenait des doses, un drop pack, appelez-le comme vous voulez, ça nous empêche totalement de push, parce que leur CD de respawn, c'est 40 secondes. Déjà, là, on voit, il y a 15 secondes où on ne peut pas bouger. Après, il y a 5 secondes où on rentre à la base, et le temps de revenir, bah, ça fait encore 15 secondes. Donc, du coup, on ne peut pas du tout. Et c'est ultra pénible. Donc ça, en fait, ça s'appelle le drop pack. Donc si un jour vous êtes confronté à ça, essayez d'enregistrer la game et de l'envoyer à Rio Game, parce que malheureusement, il y a deux formes de drop pack. Il y a le drop pack comme ça, qui te permet d'enchaîner les teamfights, parce que eux, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Ça va être d'enchaîner les teamfights jusqu'à ce qu'il y a un moment, nous, on craque et on perde, et on a failli perdre en teamfight, parce qu'à 50 minutes, tout le monde est full stuff, et du coup, si eux, ils gagnent, bah, ils vont pas drop pack la game. Et là, regardez, hein, c'est ce qui un peu s'est passé. Bon, heureusement qu'il y avait un Vegar d'exception, etc. Et la seule moyen qu'on a trouvé pour gagner la game, eh ben, ça a été de split push, qui du coup nous permet de gagner, mais au bout de 50 minutes, avec un Vegar 1400 d'AP. Et c'était assez tendu, et je peux dire que quand tu fais une game de 50 minutes, que tu gagnes 8 teamfights de suite, et que tu peux pas prendre d'objectif, c'est assez frustrant. Et ce qui est un peu dommage de la communauté, c'est que eux en face, donc il y en a un qui scriptait, un qui dropackait, mais il y avait trois vrais joueurs qui ont continué de tryhard, quoi. Et dans certaines conditions, je pense qu'il serait bien d'AFK pour laisser la win et tout. Et là, on va voir une autre chose, c'est un Kongmo qui script. Donc là, on est à 8% de la vitesse normale, hein. C'est un truc impossible. Donc déjà, bon, là, il y a un petit dodge au cas du, mais on va dire que, allez, pourquoi pas. Mais regardez, hein, chaque auto-attaque, donc un script, c'est un logiciel indépendant qui te permettent d'optimiser au maximum ton champion. Mais là, c'est juste inhumain, parce qu'il fait à peu près 5 ou 6 actions par un quart de seconde, et ce qui est impossible sur League of Legends. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Les gens, des bisous. Ciao, bye.